Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro avec la team de zéro pour un nouvel objectif dont je vous parle depuis un bon moment. On commence directement par ça, c'est le restuff de monsieur le boss. Bon, c'est tous des boss dans la team, hein, vous avez l'habitude maintenant. Mais là, on parle de Monsieur Elitobo, le Kra, qui est haut depuis le début de l'aventure. Et enfin, un petit changement. Voilà, ça fait un petit moment que les persos commencent à, à maîtriser un second élément. Le sacré, par exemple, est haut depuis le début. Il est passé au R. Voilà. Là, en l'occurrence, pour le Kra, ça sera au feu. Et donc, l'accès à des dégâts à feu, notamment pour l'explo. Voilà, ça va être trop bien. Mais comme voilà, je vous le dis, il reste avec son élément de prédilection, qui est l'élément haut, qui est trop bien. Hein, vous vous, vous l'avez déjà dit. Je vous l'ai déjà à montrer notamment CL. Enfin bref. Du coup, on va pas trop tarder. On va s'occuper directement de faire le stuff que je vais vous montrer très rapidement dès maintenant. Donc voici le stuff prévu. 158 sera le niveau maximum avec euh, donc le masque. On a aussi le collier Tot qui est 158. Et puis bah voici ces différents items au feu qui nous permettront d'obtenir voilà 350, 380 en stats pour euh, l'intel et la chance. Vous voyez là euh, ben, le problème de la chance c'est que le palier passe en 3 pour 1 à partir de 40 tandis que l'intel c'est à partir de 150 donc on a beaucoup plus d'intel de base mais ça fait voilà quelque chose d'assez équilibré j'ai notamment équilibré avec un masque vaudou Jave, donc masque vaudou haut qui est dans tous les cas très bien pour les deux parce qu'il y a 15 dos il y a même 15% de dos donc 15 puissance il y a l'APO crit enfin bon c'est un masque beaucoup trop bien il n'y a pas d'autres items hein, au feu euh, ne vous inquiétez pas j'ai bien dit que c'est un stuff vraiment très satisfaisant regardez si je vous mets intel chance regardez il y a le casque tot enfin la coiffe tot vous avez vu que j'ai mis différents items totes mais le problème de la panneau en entière, c'est que il y a pas mal d'items où il n'y a pas de dommages. Là, c'est le cas de la coiffe. Donc voilà, je pense qu'on est bien bien mieux avec le masque vaudou. Vous voyez qu'on a quand même 55 dos en plus de toutes ces stats, et donc de quoi obtenir. Je vous sais quoi, je ne vais pas vous montrer. On se garde le suspense pour les dommages qui seront bon, bien sûr, moins élevés qu'un full stuff feu, techniquement, mais qui seront quand même très sympas. On le verra un petit peu après quand tout sera prêt. Je vous montre directement l'atelier qui est ici. J'ai déjà complété avec les ressources. Donc que j'ai déjà. Et donc, bah regardez, il y en a pas mal hein, des ressources que j'ai déjà. Notamment des ressources qui viennent des cadeaux. Euh, par exemple, un truc qui m'a marqué. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais farmé. Voilà. Bon, ça coûte pas grand chose. Mais les dons on les avait dans les cadeaux. J'en ai jamais farmé Bah je les ai. Bah, c'est des kamas de grattées. Et puis après il y a plein de les ailes scarafée noirs pareil. Alors j'en avais fait un petit peu, mais techniquement non, vu que j'avais pas fait de donjon. Donc oui, non, ça c'est les cadeaux. Enfin moi, bon, plein de petits trucs comme ça. Et des ressources qu'on a farmé euh, depuis le début. On a fait notre premier tour la dernière fois. Bah ça me fait les ressources. J'ai aucune ressource tot par contre. J'avais rien de mais bon, c'est pas très grave, vous voyez que bah du coup, hop, il nous manque tout ça. Donc euh, les rutis, les pirutes, on achètera, poupée on achètera, masque au vaudou on achètera. Et là, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est le drop de la pierre du coulo J'ai jamais fait le coulosse, ne serait-ce qu'avec euh, la cette team mais surtout aussi avec euh, la, la team sur Gaga à l'époque. Je l'ai jamais fait. Je n'ai jamais touché au coulosse sur un 29. Donc ça va être l'occasion de le faire. Et puis voilà, vous voyez les autres ressources. On va acheter un petit peu tout ça. Sinon, c'est des zones qu'on a déjà parcourues. Donc je vais pas m'embêter. Les pots chevaux. J'hésite un peu mais je pense que je vais surtout farmer les ailes de Scarabosse Doré qui coûtent 200 000 U. Là, il y a 6 millions en jeu. Les pots Cara, enfin les pots de chevaucheurs, c'est pas mal à farmer. c'est 500 000 KU, mais bon, juste pour 5. Le fait de devoir mourir sur tout le monde et tout, enfin, c'est pas très agréable. Je l'ai déjà fait, je vous l'avais déjà montré. Je pense qu'on va s'en passer. Je le focus, voilà. Déjà le, le coulos, en espérant dropper au moins une pierre. Hein. Normalement, ça devrait le faire, j'espère. Et puis je me ferai un petit farm sur les ailes scaradorées. Bon, rien de très ouf. Ça me permettra d'éconiser un petit peu. Voilà. Allez, je vais m'arrêter, je vais pas parler beaucoup plus que ça. Je vous montre que j'ai récupéré, regardez, 7 millions de Kamas. Ça, c'est avec la vente des items de l'énu. Voilà, la panneau AA. Il y en a deux que j'avais réutilisé pour ces crafts. Donc de la ceinture et de la mue, Et le reste des items. La coiffe, la cape, son cac aussi. Enfin, c'est parti en HDV. Vous voyez que ça me fait remonter un peu en kama, J'ai encore pas vendu le poisson, là, le, le bariton. J'ai donc, bah, rip. Euh, c'est pas grave, c'est pas, pas très pressé. On a de toute façon. Là, là on, va, on devrait pas mal baisser en kama Mais vous voyez toutes ces captures, hein, toujours, euh, si je veux. Enfin, bref, vous avez compris. Vous avez compris le, le refrain de la, de la série. On, on est très très bien. <laughs> voilà. Allez, testons notre premier coulosse et espérons avoir de la chance pour le drop. C'est parti. Me voici au boss, les bro. Je vais split en deux groupes de quatre. Voilà, j'ai toujours deux captureurs, Leka et Léni. donc voilà, comme ça, euh, c'est très bien, c'est un combat qui est très facile, voilà, je viens de revoir, mais les bouffes toutes cavernes, bah, c'est nul, et Coulos, le Koulos a littéralement 3 PM, une cinglante, le fait passe fin du game, donc ça va, je vais speed, donc il n'y aura pas forcément trop de suspense sur euh, les, les drops en donjon, j'imagine, sur 4, alors je peux drop, quand même, donc on va espérer, hein. sait-on jamais, et puis on verra sur tout ça, en, en arène, hein, pour dropper, voilà, le second groupe est là, avec Léni, le premier avec euh, Leka, flip, ça sera plus facile avec le second, avec le qui qui calera les cinglantes j'imagine, mais je vais me débrouiller pour pas me faire attraper ici donc c'est parti, faut pas qu'il nous attire, je pense que j'ai limite de façon avec le panda, sans problème, bah de façon à 4 on peut pas se faire attraper hein. si je me mets comme ça, comme ça et comme ça, voilà notre premier coulosse, bon j'arrive à la fin du premier coulosse écoutez c'était tranquille j'ai le coffre. Alors, pour cette compo, voilà, on a le coffre, donc c'est l'avantage pour dropper, mais par contre, ouais, je dois repousser à chaque fois avec le yup pour pas qu'il vienne m'attraper, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on va drop? La capture est bien lancée, évidemment. On ne sait pas. On espère quand même, hein. Perdu de vue mystique. Comme ça, j'ai pas un bon trait. Non, d'accord, j'y croyais pas. Hein. Je... Non, mais je vous rassure, j'y croyais pas. Hein. Juste ne croyais pas que j'y croyais. Non, en vrai, si j'espérais quand même, mais tant pis. Et du coup, le deuxième, c'est niveau 200. Donc, j'ai même pas besoin de la pierre 500. On peut mettre une pierre 200. C'est parfait. Allez, bamos. Et c'est la fin du second combat. Bon, euh, ça a été très, très, très rapide et beaucoup plus agréable. Euh, mais cela dit, j'ai que cruel 80%. Donc, voyons voir si là, on va avoir la chance d'avoir une petite pierre quand même. Et non pas de pierre. OK. Bon, on a les deux captures, c'est surtout sur ça qu'on compte pour aller dropper nos notre paire. Bon, faut qu'une hein, si je peux en avoir deux trois 4, j'abuse peut-être, mais si on peut en avoir c'est bien. Du coup, du coup, il y a un truc sympa aussi, c'est qu'on a l'item de cool On va prendre les bottes évidemment pour obtenir une petite GPM et plus pareil si affinité, si chance, tout ça on verra. Vu que je vais faire du Scaraboss, je vous en avez parlé, je vais garder ces bottes Coloss, on fera le L'opening, entre guillemets, euh, des fragments avec euh, du coup le brisage des bottes Kulos euh, plus des bottes euh, Scaradoré, comme ça au moins, euh, voilà, ça, ça fera un petit, petit coup de suspense, ça sera cool. Oh la musique, la musique qui se relance. Je vais bon tas et on voit si on a de la chance en arène. Première capture libre, pas de tchal, j'avais ordonné, donc ça veut dire tuer le coulos en premier, laisser tous les bouftou. j'avais la flemme. Même si en vrai ça vaut quand même le coup parce que la pierre, je vous l'ai pas dit, mais c'est 2 millions de kama quand même. Il m'en faut une, voilà, si je peux en avoir en bonus, ce serait bien et tout. Il m'en faudrait au moins une. Donc ça aurait été quand même bien de faire le tial, mais là je vous avoue que j'avais pas la foi de laisser jouer les bouffe et tout. Donc, sait-on jamais. Sans tial, peut-être. L'exploit. L'exploit ou pas, hein. Attention. Oui, let's go, une pierre, let's go, let's go, les bros, sans c'est beau. On peut en avoir plus, hein, c'est pas capé. Donc écoutez, j'ai la pierre qu'il me fallait, voilà, on vient de save 2, 2 millions de camas, c'est carré. Maintenant sur la deuxième, on va espérer avoir un bon tial, un bon double tial même, et voir tomber de la pierre encore en bonus pour la revente ou même plutôt même pour la garder de toute façon tout tout ce que je récolte tout ce que je, tout ce que je drop je le garde tranquillement en banque et le jour où j'ai besoin de faire des pof c'est une petite session en vente et c'est trop bien let's go les gars le double tial du coup mystique abnégation 110 c'est pas mal c'est pas mal du tout pour croire en une nouvelle pierre au moins. Non, mais après, c'est quand on a l'étial et tout qu'on prend la confiance et qu'on va rien dropper. Non, mais en vrai, même si euh, voilà, je, je prends la confiance, je, je le dis, j'en espère au moins deux. Enfin, j'en espère deux. <laughs> oh non, quelle erreur d'avoir dit ça. Oui, quelle erreur. Quelle erreur. Voilà, c'était sûr, c'était sûr, les gars. C'était tellement sûr que je n'ai rien drop du tout. Bon, bah écoutez, tant pis. J'aurais drop en tout cas la pierre qui me fallait. Maintenant, il s'agit de continuer à dropper. Euh, voilà, au moins je vais dropper les ailes. Et je pense que j'achèterai tout le reste en réalité. Donc, euh, bah, let's go faire ça. Et euh, on se retrouve un petit peu après pour voir tout ça ensemble. Allez, on revient sur ce farm de scarabos doré que j'ai fait intégralement en live. J'en ai fait 5 de donjons. Split à 2, donc 2 groupes de 4 comme prévu. J'ai chopé le nombre de camions. Qu'il me fallait pour avoir euh, un peu plus de 30 euh, ailes avec les ailes chopées en donjon, donc voilà, c'était parfait. C'était très très agréable, comme je l'avais dit sur ce stream. Les salles s'enchaînaient bien et tout, c'était vraiment trop bien. Pareil pour les captures, on a eu euh, beaucoup d'ailes, même en donjon, mine de rien. En étant qu'à 4, j'avais souvent deux ailes, donc c'était assez euh, sympa. Et comme je vous ai dit, voilà, de quoi récolter à peine plus des 30 nécessaires pour un collier tot, le collier tot du crat, du coup, qu'on qu craftera juste après. Au passage, pendant le donjon on récupère pas mal d'autres items hein, de toutes couleurs qui permettent de choper des runes. On... J'ai fait le brisage, ça déjà, à part celui des bottes qu'on brisera juste après ensemble. Donc voilà, des items qui apportent des, des repères, des soins et tout. C'est toujours très bon à prendre pour les futures sessions d'FM. Ensuite, toujours en live, on s'est chauffé à aller faire les 5 pots de chevaucheur Koalak. Donc, euh, j'ai pas eu le temps de faire plus d'un combat puisque bah, j'avais crash euh, ma connexion avec crash à ce moment là mais pas très grave j'ai continué après de mon côté je vous affiche le screen des cinq pots droppés j'ai eu deux combats avec deux pots et un combat avec une peau donc voilà parfait j'ai même encore des caps euh, parce que je capturais forcément et je les ai pas encore tapés je les ai hein, c'est cadeau je c'est un peu plus tard. Donc voilà, ça m'évite de payer 5 pots à quand même 500, 600 mille Kamas. Donc 2 M5, 3M de d'économiser. C'est bon à prendre, c'est toujours un petit peu chiant d'aller dans la zone et tout. Mais ça se fait quand même très très bien. Et puis ensuite, l'achat donc des ressources. Voilà, des quelques ressources qu'il me fallait. Le plus cher comme d'habitude, c'est les alliages Pirutes, Rutil que j'ai crafté avec le broetti. Donc voilà, c'est très bien. Je suis à 32 m. Au Début et je vais tomber à la fin à 18 m6. Voilà, je suis en banque, je récupère, je vois que tout est là, c'est parfait. Donc écoutez, session craft grâce euh, au brodo fusion, comme souvent. Merci encore beaucoup à toi, le bro, pour ces craft là. Ça s'est bien passé, il a pas de souci, rien à signaler à ce niveau là. Et c'est après ça évidemment qu'on allait. Les... FM tout ça mais euh, là bah écoutez je vous reprends dès maintenant en live Bon les brons on a fini la FM avec le pote Eti euh, Coucou Eti qui est avec nous en vocal Oui, allô tout le monde Ouais, des fois on se fait le plaisir de faire la FM ensemble, voilà, c'est toujours des, des petites sessions très mignonnes Et là en l'occurrence on sort d'une très belle session, n'est-ce pas Eti Oui, c'est très très bien passé et ça s'est très très bien passé, surtout du côté de l'Amu, du coup le collier de tot où on a eu un seul PA qui a sauté et euh, Un seul PA qui est repassé directement au cri. Du coup on a pu faire un très joli jet avec le PA, on a eu un petit over de 3 pp, le GMAX, on dit dos, voilà, un item magnifique pour monsieur le Cra qui pourra se revendre plus tard, mais je sais même pas si je changerai, euh, ça se trouve le cras finira avec ça. Bon peut-être que niveau... Ouais, voilà, voilà, peut-être qu'à ce niveau-là il sera... Bon, mais c'est dans longtemps quoi. Bref, c'est une amie qui va nous régaler pendant un petit moment. Et puis le reste des items aussi très mignon. Qu'on va les tester du coup directement euh, en, en pouch. On va aller voir un peu les dégâts du cra. Voilà, donc Eti, euh, et euh, merci. Il n'y a que les... la baguette évidemment que je n'ai pas touché. Sinon là sur les items, il y a la ceinture du coup. Qui sera la ceinture des vents. Ah, mais attends, mais la ceinture des vents, faut que je la retape en vrai. est-ce que c'est ah, vrai on que. va la refaire Je, je pense qu'on va la refaire parce que elle était pas très belle. et euh... Enfin, elle était full champ, je pense qu'on l'avait faite comme ça. Vu que j'alternerais entre ceinture classe, ceinture vent, ouais. Du coup, bah en fait, les gars, on va. Ouais, tu peux garder les runes. Je vais, ouais. je vais quand même ramener ça et on va les tester euh... juste après. Ces nouveaux stuff qui, qui vont être très mignons. Voilà. Attendez, les gars. Je suis toujours en rec. Et Là je reco pour euh, attends non mais non mais parce que des, des fois là je, je pense à des trucs fous mais je reco pour euh, bon prendre la ceinture devant mais c'est vrai que là du coup je vais pouvoir revendre la corbacap astralis la, la bon la doro coûte pas forcément très cher mais voilà ça c'est des Kama, la feuille du printemps la feuille de printemps les botas c'est bien c'est bien, c'est bien. Oui, juste ça fait des sous quoi. Oui, oui, ça fait des sous parce que bah, ça je l'ai pas encore montré. Mais du coup, sur les cas, voilà, je suis tombé à 16 ,3 millions de On était à 30 m et quelques de base. Hein. Voilà, bon, j'ai en runes, j'ai pas eu à dépenser beaucoup hein, avec les runes que j'ai récupérées sur euh, notamment les scaras et puis toutes celles que j'accumule depuis le début. Avec les... les cadeaux de Noël et tout, bah voilà, j'ai pas eu à dépenser beaucoup. Juste une gapéa. Hein. J'ai racheté quelques pavis ou quoi, mais euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. Bon, les gars, je viens de taper le Doppel pour le restat. Voilà, on va récupérer ça directement. Le Krab a beaucoup de donc ça c'est vraiment bien je prends beaucoup d'xp et tout on pourra même euh, mettre de bons ralpem à limo mine de rien ça il faut y penser en plus euh, bien sûr des cinglantes alors on restate une nouvelle fois la dernière fois c'était les aujourd'hui c'est du cra dont on s'occupe pour euh, ce nouveau stop. je vais pouvoir du coup équiper la limbe donc euh, je voulais montrer hein, sur euh, dofusbook. ça sera 150 points d'intel tant que le palier est en 2 pour 1 et puis euh, pareil pour la chance sauf que ça nous mènera à 40 Chance. Mais bon, voilà, ça fera comme on l'a vu, voilà environ 350 de chaque. Donc c'est quand même assez sympa. Je fais ça, je me rends canogé d'eau et on voit ensemble les dégâts. Bon, je peux donc équiper la baguette des limbes, qu'on n'a pas touché. Voilà, il manque 13 de sagesse. C'est vraiment pas grave. J'ai, comme je vous l'ai dit juste avant, pas mal de sagesse de base, hein, vu que voilà bon, un peu moins parce que j'ai quand même pu mettre 150 points d'intel. Le résultat, le voici. 380 quasiment en Intel, 350 pour la chance. On a donc 5 PO, c'est bien. Alors, 5 PO quand on mettra la ceinture des vents. Je vous que la ceinture des vents je la trouve beaucoup trop bien on a fait un jeu assez mignon voilà au moins qu'un crit 40 40 19 c'est assez sympa pour la vitesse à laquelle on l'a fait donc voilà je voulais dire que quand on mettra la ceinture des vents en tout cas on aura ces 5 PO la ceinture de classe elle est beaucoup trop bien elle est utile surtout pour, euh, notamment le CM, ne pas avoir à s'embêter à être en ligne de vue pour mettre des ralentos pour reprendre le CM plus euh, la, la soignante, pour mettre des cinglantes à 2PA, notamment Tinderil, enfin voilà, elle aura plein d'utilités, genre euh, voilà, mais pour le coup, je vais quand même essayer de, de prioriser la ceinture des vents qui apporte euh, bah, beaucoup de, de, de rocks, la, les deux po enfin c'est une très très belle ceinture qui est niveau 84 et que j'ai envie de garder pour ce stuff, hein, carrément, vous voyez. Bref, du coup, du coup, du coup, monsieur le CRA, il est maintenant au feu, le problème entre guillemets... C'est que euh, je l'ai déjà monté, c'est la flèche explos, c'est le seul feu, le seul sort feu que j'ai pour l'instant. C'est le principal. Ce euh, serait assez bien d'avoir peut-être enflammé, peut-être, ou même magique. Ouais, magique, je pense, euh, plus important. Donc, je pense que je montrerai magique en second sort. On aura niveau 180, mais ça sera un peu plus tard. La flèche ralentit à monter. Donc, j'aurai le temps de monter magique entre temps. Mais euh, voilà, voilà. On, on utilisera surtout Explode. De toute façon, on connaît. Hein. Donc, euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les dégâts, justement, avec ces nouvelles stats. 54 en, en, en dommage. Je ne vous ai pas montré les jets, le temps que ça respawn. On va pas se prendre le plus gros, peut-être. Mais voilà, des, des jets bien, bien maxés. À peu près, à peu près, hein, genre la, la tot, c'est un 30pp dans 9 dos, euh, voilà, on, on vise des trucs quand même euh, potable plus, potable plus, j'ai envie de dire ça, voilà, là on a un très beau collier tot, la ceinture on l'a vu, le bracelet tot, quelque chose de, de très mignon aussi, avec un petit verre de 3pp, et puis les bottes, voilà, j'ai un earperf, Très mignon, sans PPM, c'est très très bien. Du coup, c'est parti, les amis, pour le putsch. Alors, nos boosts, qu'est-ce que ça va donner Je vais pas prendre trop de temps. Petit 234 à l'expia nos boosts. La ralento qui part à 177, c'est pas dégueu, hein. 177. Les immo, c'est du, du 100 de base, sans booster. L'œil de top. De top 149, la flèche glacée que j'ai pas encore montée, tape quand même un petit peu. On aura toujours des cupies et tout. Là, je suis pas encore boost. Hein. Et justement, si je vous parle de boost, boostons-nous pour tester l'Expia T2 euh, sous euh, boost. 657, c'est pas mal du tout. L'Explo du coup sous boost, c'est bien. Vous c'est propre hein. pour un crâne multi, euh, enfin multi, qui aura du coup les deux éléments. Je pourrais mettre de bons dégâts dans les deux et ça, ça fait super plaisir. J'aime bien, j'aime bien, 420 du coup sans, sans aucun boost pour l'expia Et pour l'explo, la... quand même quasiment 200, voilà c'est mignon C'est quand même assez mignon je trouve, on va se rebooster, on va tester les dégâts Oeil euh... euh, de top, j'ai pas montré Hop, hop Oeil de top sous boost 240, c'est bien 647 encore l'expia Voilà, je pense qu'on a tout vu je suis très satisfait, on gagne euh, de nouvelles possibilités maintenant avec euh, ces dégâts à qui sont débloqués et puis des, des meilleurs dégâts hauts hein, forcément qu'on vient de gagner avec ce magnifique stuff qui va nous régaler jusqu'au niveau du coup. Euh, bah, je pense que la prochaine étape, pour le cras, ça sera du harnage, ça sera la, la borker gladiateur. Donc euh, voilà voilà. Bref, les bros, ce que je vous propose, c'est un, une petite surprise pour cet épisode. Qu'est-ce qu'on va faire Je reviens vers vous un petit peu plus tard. <laughs> je, je sais ce que j'ai prévu, mais je reviens vers vous pour vous montrer ça. Et re, re, on se retrouve à la banque avec les premières ventes du stuff du donc j'ai vendu la doro et j'ai vendu les bottas je crois pour l'instant j'ai pensé un truc la corbeau cap que j'avais commencé à mettre déjà 8 millions c'est le prix hein, actuellement donc c'est bien ça, ça va faire des, des sous encore mais en fait cette cap je vais la garder pour le sacré qui la changera en fait assez vite puisque c'est niveau 152 qui passera sur sa cap roi 5 c'est assez tôt qu'on peut voir la cap la coiffe ça sera 160 et quelques pour la full panneau qu'on mettra au sacri. bref encore de l'upgrade de stuff hein, à venir mais oui en attendant je vais mettre la mastra c'est très bien ça fait de la PO c'est cool et puis de la sagesse, euh, voilà, il lui en faut, euh, ça, ça lui manque toujours. Donc voilà, on va, on va lui mettre ça. Je vais la garder encore un petit peu pour l'instant. Il y a un truc aussi que je voulais faire avec vous, les gars. Avant de vous annoncer le programme, la vidéo euh, est parfaite en termes de plan, encore une fois, les gars, vous allez voir ce qu'on va faire. Mais, mais attendez, juste un petit, petit truc, euh, petit plaisir que je, je nous ai réservé là ensemble. On a gardé les bottes coulosses pour le brisage. Et ceci, c'est les euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 scarabots dorés que j'ai droppé pendant le farm. Euh, carabosse, Donc écoutez je vais récupérer tout ça et on va voir combien de gapem on récupère. Voilà, c'est un petit bonus. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Ça fera aussi des camas. On prend avec plaisir. Et puis ensuite, on va se diriger. Allez, sortie je commence à vous le dire. On va se diriger sur un farm pour le parchottage, Et euh, je parle du sacri là. Du sacri, encore une fois, justement. Le sacri qui est toujours un peu en retard par rapport aux autres en termes de, de sagesse. C'est un peu le plus simple euh, à parchoter parce que le sacri je ne stat que la Vita. Là où pour les autres, il y a euh, de la stat sagesse plus Stats, genre stats principales, donc au moins une, par exemple pour le cra, là il y a la sagesse, il y a l'intel et il y a la chance, donc ça fait 3 stats. C'est-à-dire que si je veux commencer à le parchoter, faut que je parchote 101 avant de pouvoir penser à réinvestir des points en je ne sais quoi, et donc bref, ça, ça fait que ça c'est compliqué. Bon, je brise tout d'un coup, on verra combien ça nous fera le tout. On a donc 19 bots au total. Donc les bots colosses c'est niveau 73. Je dirais que c'est environ 25%. Et puis les scarabots 50, c'est plus 15 environ. Voilà, pourcentage. Donc on va voir, je sais pas. Surprise, surprise. Combien de gars Combien les gars Combien vous pariez J'en espère 4, 4-5. Dans un monde sympathique. On aura aussi des ravis d'ailleurs, ces bots colosses. Et on en a trois, bah là euh, pas ouf. <laughs> je me suis fait un petit peu voler, mais bon, c'est pas très grave. tirer une ravie au passage, euh, bah voilà, c'est tout. C'était pas tiré. Bon, on a des sauce si c'est des camas, on prend toujours avec plaisir. Donc oui, euh, je vais vous montrer directement. On va passer sur l'excel. J'ai repimpé mon... Il est ressorti. Hop, voici mon Excel avec le parchotage. Pour le parchotage du coup caractéristique. Donc cet Excel, pour vous le présenter, ça permet de savoir combien un parchemin coûte en ressources. Voilà, vous le savez, on peut obtenir les parchemins pour par les ressources. Là, en l'occurrence, on a à peu près toutes les infos. Donc, j'ai fait pour les euh, les cinq la force on souffre un petit peu parce qu'on achète les, les viandes généralement. Donc là, vous voyez par exemple que le prix du moyen, c'est euh, donc euh, il faut euh, 70 glands, euh, il faut 70 langues de pissenlit, en lit. Les prix sont là. Le total est ici 280 000 pour un parchemin moyen 468 530. Bref, tout. Ça me permet de savoir combien il me faut de. Enfin, combien coûte un parchemin pour voir si c'est plus rentable de, de le faire ou juste d'acheter. Et puis ensuite, ici, j'ai les, les quantités totales de ressources. Donc, les, les quantités sont là et du coup, le prix total est ici pour un parchemin 101. Voilà, selon les, les combinaisons qu'on fait, on peut faire par exemple 24 euh, petits. C'est ça qu'on fait Non, c'est 25 petits qu'on fait généralement, plus je le mettais là, 38 puissants pour obtenir les 101. Mais sinon, on peut aussi faire 25 petits, 24 moins 26 puissants. On peut les différentes combinaisons là en l'occurrence je pense que c'est euh, c'est le mieux ce que j'ai essayé ici et donc euh, bah voilà un petit peu euh, tout ça ça m'a permis d'observer que je vais farmer un petit peu des ressources hein, ça va c'est assez rentable à, à farmer mine de rien par rapport au prix qu'on pourrait voir en hdv puisque maintenant on peut les obtenir euh, avec l'élevage à l'époque c'était pas le cas euh, voilà, bref, tout ça pour vous dire que on va se faire le plaisir de farm grâce à notre cra. Maintenant, on a l'explore, on va pouvoir bien en profiter. Ça sera un peu plus agréable. Il y a toujours l'œil de top qui régale, mais euh, voilà, c'est quand même bien sympa de pouvoir farm avec de l'explo. Bref, du coup, voilà, on va parcourir différentes zones. Je vais me faire le plaisir de farmer là pour le début les gelées. Pour euh, le parcheau Vita, c'est le principal qui va falloir commencer, euh, par lequel il va falloir commencer pour le sacré. Euh, donc vous voyez que par exemple pour la gelée menthe, il m'en faudra 1300. C'est la plus grosse alarme. Il me faudra 5 millions de gelée menthe. Le total coûtera que 12 millions. Donc ça va. Puis ensuite, j'aimerais pour le sacré lui faire la sagesse, la chance et la forcément. En particulier la sagesse, parce qu'il manque pas mal de sagesse par rapport aux autres persos il est toujours un petit peu en retard. Donc euh, voilà, voilà, petit farm tranquillou que je vais vous montrer au fur et à mesure. Et puis l'objectif, ça va -être, être de bah de peut-être pas sans un full, Je vais voir jusqu'à où j'irai. Mais... Mais euh, le pare un minimum pour pouvoir euh, gagner un petit peu en efficacité. Voilà, ce sera un petit épisode tranquillou sur le parechotage. Je ne le ferai pas pour tout, je le ferai peut-être de temps en temps euh, voilà, pour euh, un perso par-ci par-là. Mais euh, voilà, là je vous montre avec le, le sacré tout simplement. Et relibro, fin du farm gelé. J'ai passé environ 3 heures au gelé. Donc que ce soit dans la zone plus en arène. Donc environ 3 heures pour le bilan qu'on va faire. Et maintenant voilà un bilan pas dégueu franchement pour le monde qu'il y a j'ai été quand même assez efficace c'était agréable honnêtement c'est agréable le cra nous a régalé hein. le cra que j'ai placé en premier avec une bill j'ai crafté ça je voulais pas montrer mais j'ai crafté des bill pour faire en sorte que le cra passe devant parce que si euh, je donnais avant la, la, la bill-roll du panda au cra le panda passait derrière les nus. enfin bon c'était très chiant du coup il j'ai fait en sorte de donner une bill au cra pour que passe devant tout le monde et puis j'ai dû même refaire une billroll pour le panda pour que il est moins digne et que euh, il reste deuxième euh, voilà par rapport à celle-ci qui en donnait trop bref c'était un peu un peu chimique tout ça mais voilà euh, c'était euh, c'est un petit truc cool pour le farm quand j'ai besoin de du cra en premier chose que je, je vais avoir de plus en plus hein, quand je me ferai des petits farms hein, surtout hein, si je fais des dj tout ça je reste avec Lini classique avec le masque vaudou le cra là et comme ça quatrième dans la team c'est très bien bref du coup les gars je vais récupérer tout ça, j'ai pas mal de, de gelé. J'ai compté un jeu. Je me suis dit à spoil entre guillemets. J'aurai une bonne partie de ce qu'il me faut pour le parachutage Vita, qu'on rappelle primordial. C'est le, le comment dire c'est le point d'entrée pour le parechotage du sacré. Parce que derrière, j'aurai plus qu'à mettre tout le reste des points en Vita. Hein, comme un sacré très classique. Et puis je pourrais parchoter petit à petit les autres stats dont je vous ai parlé. Donc chance, agilité et sagesse qui nous intéressent pour le sacré. Ok, je récupère les dernières ressources. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais. Toujours très agréable sur les gelés. C'est les camas cash. 120 000. Là j'ai à peu près, j'ai passé 100 000 très largement sur tout le monde. Donc ça aussi, c'est des petits camas en plus. Là j'ai euh, 19 M8. Voilà le total des items. J'ai aussi gardé les gelés, Je les ai pas mis en, en banque. Voilà. 53 verts, euh, Blue gelé. Enfin, euh, c'est pas mal. Ça, c'est quelques camas en plus. Euh, des, des gelées, forcément. Que je vais tranquillement garder. Hein, le jour où je monterai euh, le cordeau. On le fera, on le fera. Le cordeau. Euh, le tailleur, le bijoutier. Euh, ben, J'utiliserai tout ça. Ça m'en fait combien là en banque 80, 90, 35. J'ai des parches dorés. Toujours plein de trucs, hein. euh, donc du coup, du coup, du coup, les amis, les gelées, voici le total 800 gelées menthe, 500 gelées fraises, 2600 gelées bleutées. Il va manquer un petit peu, genre il me fallait attendez, je vois l'excel. Voilà, comme ça, vous voyez avec moi il me fallait 1370 menthe, 780 fraises, 3480 bleu. Donc ça va, ça va, on est vraiment bien. Euh, les gelées bleutées, donc j'en ai qu'une, mais les fraises, j'en ai royal, j'en ai euh, j'en ai 10. Ok, donc ce que je vous propose, c'est que je vais tranquillement briser ces items. Je vais même pas Bêté à faire d'FM ni rien, vas-y. Osef, ça va faire des pas pro, etc. Quelques GAPM, peut-être. J'ai combien de bots en tout Ah, oh, c'est pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. 9, 11 bots, ça devrait faire euh, allez, 2 GAPM au minimum Dofus, Là, j'en ai 4. On va les stacker ces runes. Peut-être qu'on pourra en faire là. quelque chose plus tard. On aura notre premier exo, que ça, ça viendra bon. Hein ça viendra dans un petit moment, hein, le premier exo. Mais bref, euh, je me demande, est-ce que je brise les gélanos Parce que ça doit être quand même 300 000 normalement, les gélanos. Un M5 de récupérer, je pense qu'on on prend quoi. Un hein, M5 euh, à mon niveau encore. Euh, après 5, euh, 5 Gelano, ça peut faire une GAPA. Un M5, c'est le, le prix quoi. Allez, on est joueur les gars. De bah, toute façon, voilà, on a le suspense. Enfin, on n'a pas le suspense justement. Si on obtient un fragment, c'est qu'on a au moins une. Ce serait une scène qu'on en ait carrément deux. Si on n'en a pas, ça veut dire que c'est mort. Et on n'en a pas, dommage. <laughs> on est joueur, on est joueur ici. Non mais voilà, c'est ça le, le problème directement. Alors, combien on fait de runes Oh, la 17 pas pro. Oh, 3 GAPM. Pas mal sur 11. C'est très honnête. 4 rainy, 6 rainy. 6 rainies, pardon. C'est très, très bien. Très, très bien. Ça, c'est des soins en plus de toutes les gelées qu'on a vues. Donc, on est, on est très content. Dommage pour les gelano. Dommage, ça aurait été cool une petite GAPA. Là, ça aurait été le, le brisage parfait en plus des, des 3 GAPM que je regarde ah c'était 417 non quelle <laughs> quelle erreur <laughs> quelle erreur les gars vas-y c'est pas grave bon je me dirige sur un autre forme pas très intéressant je vais vous l'avouer c'est les arachnées. je vais je pense que je vais me chauffer à, à limite toutes les fers, les gars attendez il m'en faut littéralement 3720. Mais vas-y, moi je suis joueur. Hein. Je vais y aller. Je vais, je vais toutes les faire. Je pense. Je vais me chauffer. Il suffit de se caler un temple et juste de farmer. Et ça respawn assez vite et tout. Donc, euh... allez, vas-y, je vais faire ça. On va, on va remettre le crâne premier. Puis ça part. Hein. Bon, bon, bon. Après une bonne heure de farm au total. Une heure et demie peut-être d'arachné du côté du temple cra. Très bonne map sur laquelle je peux enchaîner très vite. Bon, euh, je suis full pot, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais si, je vais vous montrer, regardez. On va faire ça. Je vais poser des poudres. Voilà ce que j'ai fait pendant, comme je vous ai Dit environ environ une heure, euh, très agréable. Euh, on enchaîne très bien. Le cra toujours en premier. Bon, là en l'occurrence, je profite pas forcément de son stuff, hein, puisque juste l'œil de top que j'ai depuis longtemps permet de choper en zone les arachnées, plus d'y rajouter euh, une expo éventuellement, une Imo pour finir le combat. Bref, c'est toujours très rapide. On obtient à chaque fois toutes les pattes. C'est 6 hein, par arachné donc en l'occurrence sur 4 arachnées, je me fais 4 x 6, 24 pattes. On pourrait compter, mais je pense que là on a les 24 au total. Donc toutes ces pattes là, bah déjà, font des kamas et me permettent de monter vers le, le nombre qu'il me fallait de 3000, j'ai dit. Donc là, en l'occurrence, je suis à 380. Je pense que ça peut préparer sur tout le monde. 380, 350... Voilà, 377, une patte dark magique aussi, lol. Voilà, 374... 347, enfin bon. On a environ euh, quasiment 3000 disons donc c'est pas mal du tout donc là ce que je vais faire les gars c'est que je vais euh, j'y retournerai hein. j'y retournerai pour finir euh, tout ce qu'il me faut précisément et là j'ai une idée, on va, pas, on va aller faire aussi des, des chevaucheurs de carne hein, pour les ongles, je vous l'ai dit, parce que ça bah, c'est agréable, pareil, c'est un peu comme les araignées, c'est très agréable à forme, c'est assez rapide, les ongles coûtent assez cher, mais ce que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite, c'est Eti qui m'a fait penser, on va aller chercher les bros les et Wawabits. Voilà, les Wawabits, ça donne des grands parchemins, ça donne des grands parchemins sagesse, vita et chance, parfaitement ce qu'il me faut, ça tombe très bien. Donc voilà, on va s'en faire trois, on va en profiter pour faire une petite vague de kawottes, pourquoi pas, hein, c'est vrai que j'en avais fait deux vagues hein, des kawottes, et en l'occurrence il me reste des 37 on, on, on est quand même pas mal hein, sur nos watts mais on a très largement de quoi upgrade comme l'ecalyptus on a l'objectif un peu chaque semaine d'aller vers le, vers le 30 sur tout le monde là voilà 40 48 bon ça va on est pas mal mais il y a encore de, de quoi améliorer donc on va s'en faire hein, ça fait longtemps petit bonus comme ça et donc euh, j'en profiterai voilà pour split je pense au boss euh, pour avoir deux captures et ensuite je dirais bah, retaper tout ça pour obtenir quelques grand par chaud ses cadeaux. Et le relais bro, on est devant le Gaudien, le Gaudien, le Gaudien d'Ofus. Il y a Ichi, là au passage qui s'est chauffé à faire une vague en même temps que moi. Là, ça fait euh, Moi, ça fait quelques moments là que j'y suis et que j'attendais. Et là, je me reco, je viens de voir que je, je vends le bariton. Je suis en train de faire mes slash clear. Voilà, comme ça, je vous le montre. 4 350 000 du coup pour le bariton. Il m'en reste un à vendre. C'est bien, ça fait des camas. On va en redépenser un petit peu des camas juste après pour parechoter le sacré en Vita. Du coup, pour l'instant, je m'occuperai du reste, le reste de la semaine. Là, qui, qui va venir, on le fera en stream, je le ferai de mon côté, tout ça tout ça Je vous montrerai en plus d'autres choses, voilà je verrai quoi que enfin, je trouve des trucs bien à vous montrer Bref, du coup on est parti, la vidéo est déjà longue à skip D'après le monteur que, bah, c'est moi le monteur donc voilà Donc écoutez je je prends tout ça et puis on va découvrir On va se souhaiter bonne chance, ça serait très sympa d'avoir une bonne nouvelle On va aller sur le port de Madrestam, voilà Comme ça voilà on a la musique qui se relance Hop, hop, hop. Et, euh, et good luck. Imaginons le plus 50. On l'imagine ou quoi Allez, moi je l'imagine. Allez, c'est parti. Je regarde tout le monde. Toc, toc, toc. Du coup, ouais, je vous rappelle. Euh, je crois que le minimum, c'est doit être 37, 38 que j'ai. Donc, euh, bah, on espère avoir un maximum de G au-dessus de ça. C'est parti. Le panda, le tout premier. Ça part très mal. <laughs> plus 11. Ok, mais c'est bon signe. Quand ça part mal, les gars, comme ça, ça veut dire que ça va ça se reprendre après et tout. Plus 27 pour le deuxième. C'est nul. <laughs> plus 13, c'est très nul, c'est euh, très nul pour l'instant, hein, c'est vraiment pas ouf. Plus 24, j'ai drop euh, des O2 8 une seule, sur le, le tout. Donc là, on vient de faire la moitié, j'ai pas eu un truc au-dessus de plus 30, je commence à avoir euh, peur en fait, hein, littéralement. Plus 13, non mais quoi C'est sérieux Ok, 43, on a un G potable, il nous reste deux perso à découvrir. 14 38, mais c'est nul <laughs> C'est quoi cette ouverture nulle Les gars, à l'aide À l'aide À l'aide 14, 43. 30, voilà il y a 36 l'aluminium, ok bah, tant mieux ça ok bah les gars c'était nul voilà c'était très nul comme ouverture c'est pas grave je me rends à Bonta. on va récupérer les camas du bariton je vais mettre le suivant en banque hein, mets... en vente pardon j'imagine que c'est toujours le même prix euh, 4M environ putain mais les gars c'était pas ouf hein. bon c'est pas grave le principal également on le rappel, il est bah voilà sur les cas notamment dans les captures euh, wowabit que j'ai que je taperai, du coup je là j'ai déjà trop fait je voulais aussi vous montrer les chausseurs de caisse en vrai j'ai carne, j'ai déjà fait plein de trucs et tout, donc ça ira pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit de toute façon, il faudra aussi investir, bon 4 millions 4 toujours c'est bien, faudra aussi investir pour le sagesse, sagi. parce que pour le coup c'est pas avoir sa femme. donc bref dans tous les cas. voilà. Ok, bon donc, voilà, 4 millions 3, rien de plus à signaler. Les runes, c'est quoi ces runes déjà, je sais plus. Bon, je sais plus. Bref, dans tous les cas, je passe tout ça et je vais récupérer. Je vais ouvrir l'Excel. Je vais récupérer les gelées qui me font. On va aller faire les trades et on va donner tout ça au sacré, Il va falloir faire le, le restat, tout ça, tout ça. Je vais m'en occuper. Et puis, on montrera au fur et à mesure la chance, la sagesse et l'agie pour ce magnifique sacré. En fait, les gars, <laughs> je suis trop grand. Mais là, je suis en train de me dire que euh, j'ai envie d'en refaire des gelées parce que j'avais bien apprécié. D'une part, puis d'autre part, je vais gratter des grands pare avec euh, les les wabits. Donc, j'aurai de quoi économiser un petit peu par rapport aux puissants qu'il faudra que je fasse. Les 26 hein, que, que j'avais prévu. Donc, en vrai, euh, ouais, en vrai de vrai, les gars. Hein. Je vais continuer ça tranquillement Mais on va s'arrêter là Je vais même pas euh, m'occuper de ça tout de suite Voilà parce que je l'ai capturé Toi taper ça va être beaucoup trop long Donc ce qu'on va faire C'est que je vous tiendrai au courant de tout ça dans le prochain épisode On verra également ça sur mon en live hein, J'aurai des petits formats à faire tranquillou C'est des bons petits moments à passer N'hésitez pas Twitch.tv slash Lito comme d'habitude C'est toujours de très bons moments pour vous accompagner dans vos séances formes Tout ça, tout ça Et d'ailleurs bah, dès ce soir Voilà Sortie d'épisode rime avec... Euh stream sur la team de 0, ça sera un nouveau stream vers 22h30 avec un, pro, un planning un petit peu particulier ce, cette fois-ci parce qu'on va s'amuser à faire un petit 8v8 contre le Brody Mec. vous avez vu plusieurs fois qui lui a une team cry nue, bon, voilà ça sera marrant, ce sera l'occasion de voir un petit peu la team ce que ça peut valoir en, en pvp, franchement je pense qu'à moins que ce soit très agréable à jouer et puis derrière on fera aussi parce que ça y est c'est le jour, un petit skunk, le classico donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas ça vous tente, on va chercher euh, on l'espère un nouveau plus 30 hein, et puis euh, voilà, voilà 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 pour ce programme, j'espère que c'était vous a plu Voilà j'essaie de faire des petits trucs un peu cool j'espère que ça va, que ça vous a passé un bon petit moment n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude un grand merci pour tous ces soutiens et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite peut-être dès ce soir en stream sur Twitch ciao tout le monde